tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo voilà, sur ces remorques-là. Donc voilà, vous avez deux styles de bennes. Une remorque pour tout ce qui est palette d'engrais liquides ou herbicides, etc. Une palette pour tout ce qui est engrais et semences. Une pour les balles et une autre pour le bois. Bon, après pour le bois, elle n'est pas autoload sur console. Donc voilà. Ne me demandez pas si la machine est autoload. Je vous réponds tout de suite, elle n'y sera pas. Donc voilà, j'ai préparé quelques petits modèles. Donc, mais on va voir ça ensemble dans le menu. Donc voilà. Une fois que vous l'aurez téléchargé, c'est ce mode-là, c'est le, c'est l'Adurant R200A. Et voilà, vous avez plusieurs petites fonctionnalités. Donc là, vous êtes au maxi à 45 000. Après, vous avez un petit peu moins 35 000. Après, vous avez encore une autre version à 45 000. Ensuite, vous avez le plateau pour le bois. Ici, le plateau pour les balles. Donc, vous pouvez mettre 24 balles. Vous avez aussi pour les big bags. Vous pouvez mettre 2000 litres dessus. Voilà. Et pareil pour les semences. Et semences engrais etc. Donc voilà, après ben, vous avez les marques voilà habituelles hein, Trelleborg, Continental, Michelin, BKT. Après voilà, vous avez des petites catadiodes, vous pouvez les mettre ou pas. Ensuite, vous pouvez mettre la protection latérale ou l'enlever. Ensuite, vous pouvez choisir les feux arrière. Voilà, vous avez différents modèles. Après, voilà, vous avez encore quelques petites configurations. Voilà, avec les feux arrière quand vous reculez. Ensuite, l'arbre de prise de force, vous pouvez le mettre ou pas le mettre. Voilà, vous avez plusieurs choix possibles, noir ou jaune. Après, vous pouvez enlever les spirales ou les laisser. Ensuite, si vous activez l'arbre de prise de force, voilà, ce sera à 40 km/h quand la machine est activée. Après, vous avez le choix de la couleur des sangles de serrage, jaune ou orange. Après, vous avez le type de carte, Italie ou voilà. Et ensuite, voilà, vous avez la couleur des jantes. Voilà, c'est à vous de. C'est à vous de voir et le choix de la plaque. Bon après le plus, bon, comme vous voyez hein, pour tout ce qui est palette ou d'engrais liquide ou herbicide etc. ou ici voilà il vous suffit de vous mettre à côté de faire L3 et de charger la benne. Et après, ben voilà, jusque. Après, le plus intéressant, voilà, c'est pour les balles. Donc, on va voir ça ensemble. Parce qu'après, c'est pas le même système que les autres pour les autres plateaux autoload. C'est pas du tout le même système. Donc voilà, là j'ai pris des balles de ration mélangées, vous pouvez en mettre 24. Là vous voyez, je suis à côté.
Et là, vous faites... Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, quand là je l'ai remise à zéro. Donc voilà, et simplement pour charger vos balles, il vous faut faire L1 et le carré. Voilà, vous entendez la prise de force qui tourne. Voilà. Et après voilà, le petit truc en plus. Voilà, et puis si vous voulez arrêter la prise de force, vous refaites L1 et le carré. Bon, pour décharger les balles, vous faites L1 et le triangle. Et après, voilà les petites nouveautés. Par exemple, voilà, bon, bah, vous les, là, elles sont debout sur la plateforme, mais vous pouvez les changer de sens. Donc voilà, si vous allez à droite, à gauche pour les descendre, voilà, vous pouvez les décharger en arrière. Voilà, et vous allez quand même assez loin. Et puis là, deuxième petite astuce, c'est ceci. Voilà, vous pouvez aussi tourner le sens. Voilà, comme ça, bah, par exemple, c'est un petit peu plus pratique. Ou voilà. Et l'autre, bah, là, pour tourner de sens, il faut faire R1, pardon. Et voilà, et là vous tournez de sens sans problème. Bon, elles montent, elles descendent. Et si vous faites par contre R1 et L1, voilà, vous pouvez les faire pivoter. Voilà, par exemple, voilà, vous les changez de sens. Voilà, comme ça, ben voilà, même pour les décharger, hein, voilà, vous mettez dans le sens que vous voulez. Et ça, c'est un petit plus que voilà, les autres plateaux autoload n'ont pas. Et vous pouvez vraiment décharger partout, quoi. Et là, bon, bah, je décharge les balles sur la plateforme. Bon, bah voilà, vous voyez, tout tombe. Et là, bah, il suffit de faire, voilà, activer le chargement, donc L1 et carré. Et voilà, elles se remettent en état comme elles étaient avant. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un petit message ou un commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis ciao, ciao!